Ah, je peux pas m'en empêcher. Pire qu'un gamin. Dès que je peux, je pars dans les bois. Salut les aventuriers. Bah voilà, je suis reparti. Alors cette fois, on va faire un petit bivouac, mais je suis accompagné d'un pote qui veut pas apparaître sur YouTube. Donc on va respecter. Et on est parti pour faire un petit apéro entre collègues. Tranquillou. Voilà, je lui montre un petit peu ma passion. Et je pense qu'on va bien rigoler et surtout bien se régaler. Allez, bah on continue, je vous retrouve plus tard. Il y a un coin par là, là-bas c'est au soleil, ça me paraît pas mal. Voilà le petit spot pour la soirée, pour un petit apéro bouche cratoire. C'est pas un apéro dînatoire, c'est un apéro bouche cratoire. Allez, ben on va s'installer là. On est au plat, le soleil, Pepsi elle valide. Impeccable, c'est parti. Allez, vas-y, 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 vas-y. Et maintenant, dépiote le bordel. Joli. J'ai essayé avant de dépioter, c'est raide. Je vais recommencer. Voilà, c'est que tu n'étais pas dans le bon sens. Et tu peux remettre un deuxième. Et ben voilà, les amis, on prépare l'apéro. Le petit feu. Le camp est monté, la tente de mon pote, la mienne, et voilà, on s'est installé, on va attaquer le saucisson maison, et puis une petite friandise, une fois n'est pas coutume, voilà, tout pour une super soirée entre potes. Allez, regardez ça les amis, le dîner est sur le feu. Regardez comme elle est belle, cette côte. Alors elle est tellement épaisse, 1,2 kg, qu'on ne peut pas la faire à la braise, on est obligé de la faire à la flamme et de surveiller pour ne pas la brûler. Voilà. Mais en tout cas, ça fait bien envie. Pepsi aussi, elle a le droit à son apéro. Ouais. Bah si, il a fini par se régaler quand même. Ouais. Il a mis la pâte dessus pour y grignoter. C'est ça. Une demi-heure plus tard, la fifi elle est toujours à fond.
Et puis elle est toujours sur son os. Elle vit sa meilleure vie. Et on est accompagné par Madame la Lune. Encore une super soirée. Pepsi aussi, elle range ses affaires. Elle a caché son os. En mode survie, la Fifi. Bon, voilà, les amis. On va laisser mon collègue se réveiller tranquillement. On va déjeuner, plier le camp. Et puis, il sera temps pour nous de rentrer à la maison. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas un petit like. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Thank you.